La Vierge Marie un jour visita la terre bénie près de Fatima. Ave, ave, ave Maria, ave. Que notre prière atteigne les cieux, sur nous, tendre mère, abaisse les yeux. Ave, ave, ave Maria, ave. Reine immaculée, étant pour toujours sur l'âme exilée, ton règne d'amour. Ave, ave, ave Maria, ave. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, soyez les bienvenus au pied de Notre-Dame de Fatima. Soyez donc bénis par cette belle dame qui vous accueille, en même temps qu'elle accueille tous vos projets, tous vos soucis, toutes vos intentions. En venant à Marie, nous sommes sûrs d'aller à Jésus. Reconnaissons au début de cette Eucharistie que nous n'avons pas toujours reconnu la place de Marie, que nous n'avons pas toujours cru en sa grâce, en sa présence dans notre vie, et retournons une fois encore à Jésus pour demander pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nos pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ, et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Commencement de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul,
apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, avec Timothée, notre frère, je m'adresse à vous qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu, ainsi qu'aux fidèles qui sont par toute la Grèce. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. De même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, puisque vous connaissez comme nous la souffrance, vous obtiendrez comme nous le réconfort. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne.
Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu que nous venons d'entendre dans la liturgie de ce jour nous introduit facilement dans ce qui est le cœur du message de Fatima. Et on pourrait, en quelque sorte, prendre la première lecture comme si François et Jacinthe s'adressaient à nous-mêmes, à la fois dans l'expérience des épreuves qu'ils ont eues à endurer et dans l'expérience de la consolation et de l'intercession dont François et Jacinthe, avec Lucie, ont été les principaux acteurs de ce lieu. Dans l'humilité, dans la pureté, dans la persévérance qu'ils ont eu à vivre, François, avec son esprit contemplatif, très vite acquiert cette capacité de consoler. Il veut consoler Dieu. C'est l'expression même de ce qu'il partage à Lucie et à sa sœur Jacinthe. Jacinthe, ainsi que François, après la vision de l'enfer, prennent une conscience de plus en plus aiguë de l'urgence de la conversion. Et en cela, les lieux d'apparition comme Fatima n'ajoutent évidemment rien à la révélation évangélique, mais sont en quelque sorte comme des piqûres de rappel. Et ici, Fatima, une piqûre de rappel, je dirais, très forte, très puissante, pour nous rappeler en notre siècle cette capacité oubliée, enfouie, d'écouter la parole de Dieu, de la garder et d'entrer aussi dans cette lumière dont les pastoraux nous parlent sans cesse. Hier, nous avons fêté la solennité de la Sainte Trinité et cette grande solennité nous introduisait dans ce partage de la lumière. Et Fatima, s'il y a la vision de l'enfer, insiste puissamment sur cette lumière dont dit François, nous étions pénétrés, nous étions imbus d'un bout à l'autre dans cette lumière de Dieu. Ils font cette expérience de la lumière de Dieu, de la consolation de Dieu, et en quelque sorte, il ne quitte plus la nuée lumineuse dont nous parle l'Ancien Testament. Il rentre dans cette nuée lumineuse, et pourtant, ils font l'expérience de nombreuses épreuves. Persécution, interrogatoire sans cesse, les pèlerins très nombreux, très vite, dès la deuxième apparition, il y avait déjà une soixantaine de personnes. À la troisième, ils étaient déjà des milliers. Jusqu'au mois de juillet 1917,
où on estime 50 à 70 000 personnes, des pauvres, des riches, toutes ces personnes qui cherchaient force et consolation, qui étaient désespérées. Ils avaient beaucoup les pieds dans la boue. Nous rappelons notre condition, nous venons de la terre et les pèlerins ici ont fait cette expérience de cette pauvreté, de cette humilité, jusqu'à ce miracle où ils ont été encore introduits de manière extraordinaire dans la lumière à laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous invite à entrer dans ce chemin lumineux. Mais ce chemin lumineux passe par la passion. Saint Jean de la Croix va rappeler dans ses écrits au XVIe siècle que beaucoup de chrétiens voudraient faire l'expérience de cette lumière, mais ne voudraient pas ou ont du mal à passer par le chemin de la croix, par le chemin de la souffrance. François et Jacinthe, alors qu'ils étaient tout petits, acceptent et en quelque sorte rivalisent d'imagination l'un pour entrer de plus en plus dans cette prière, dans cette oraison infuse. Jacinthe, pour rivaliser aussi d'imagination, comment je peux faire des sacrifices pour entrer dans cette compassion pour tous ceux qui n'ont pas la foi. Ayant été introduit par la prière de l'ange, qui leur rappelle à la fois la Trinité et qui leur rappelle « Mon Dieu, je crois, j'espère, je demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'espèrent pas. » Frères et sœurs, nous aussi, nous sommes introduits depuis notre baptême dans ce mystère de la foi. Ce mystère de la foi peut avoir parfois nous paraître un peu comme un tunnel plein d'ombre, et pourtant ce chemin débouche sur la lumière. Dans l'évangile des Béatitudes, je me rappelle le partage d'un cardinal français que beaucoup d'entre vous connaissent, le cardinal Philippe Barbarin. En 2009, nous étions nombreux au bord du lac de Galilée avec des milliers d'étudiants. Et le cardinal a commenté ce même évangile en disant « Nous tous, nous n'avons peut-être pas la capacité pendant notre vie de mettre complètement en œuvre tout le programme des béatitudes qui est un chemin de bonheur. Mais au moins, Dieu peut nous donner, par l'intercession de la Vierge Marie, de mettre en œuvre au moins une des béatitudes. Et peut-être aujourd'hui, nous pouvons nous interroger, quelle est peut-être cette béatitude que le Seigneur nous donne de mettre en œuvre ? François, Jacinthe et Lucie, les acteurs de ce lieu, et pourtant ils sont partis très vite, chacun a porté une pierre, a porté des lumières. Chacun a eu un rôle unique à jouer. Et dans la construction de l'Église, chacun de nous est unique. Le Seigneur compte sur chacun, chacune d'entre nous. Et le Seigneur nous donne à profusion sa grâce. En venant ici à Fatima, demandons au Seigneur, en nous tournant vers la Vierge Marie, qu'il nous donne à profusion, sans mesure, cette grâce dont nous avons besoin, mais puissions-nous la mettre en œuvre dans nos vies, dans nos communautés, d'où que nous venons. Il y en a de nombreux frères de France, du Canada et encore d'ailleurs, que cette grâce dans nos communautés, dans l'Église où nous vivons, dans le monde dans lequel nous sommes immergés, nous fasse être féconds sans que les ténèbres extérieures nous empêchent de vivre et de cheminer vers le salut. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, d'une voix unanime,
laissons monter vers Dieu l'espérance joyeuse qui nous anime en lui confiant nos intentions, en lui confiant tout ce qui nous pèse. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaille généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclame la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver. Que les pécheurs se convertissent. Que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de glorifier par de justes louanges ton amour en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé. Elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste, jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin, en chantant d'une même voix. Sancte, 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 Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Sancte, 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 Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, notre enfant, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fils et filles d'un même Dieu, reprenons avec confiance la prière du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos familles, donne la paix à nos communautés, donne la paix à nos pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, aux apôtres apeurés, enfermés au cénacle, tu es apparu et tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas, Seigneur, nos péchés, regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, échangez la paix du Christ. La paix du Christ.
Ils sont toujours heureux, les invités au repas du Seigneur. Le voici, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe de salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en part afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Mieux immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
est à présent livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur, toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. Humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffer. Seigneur, tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions humblement, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, ensemble avec tous les pères présents, nous allons vous donner la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant le IT Missa S, nous allons dire un Ave Maria à toutes nos intentions et spécialement pour cette petite fille qui vient de faire sa première communion aujourd'hui. Je vous salue, Victoire. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Notre-Dame de Fatima. Priez pour nous. Notre-Dame de Fatima. Priez pour nous. Notre-Dame de Fatima. Priez pour nous. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne suite de journée à chacun et à tous. Et n'oubliez pas de garder le sourire. Salve Regina, Mater Mysteria.